Alors, mon passage, t'as kiffé? Ah, si. Ça va? Très bien. Alors, t'as kiffé ou quoi? Non. Je te dis la vérité, non? Mais ils ont rigolé, t'as pas non, vu comment ils ont rigolé? Non, ils ont pas rigolé. Ouais, ils ont rigolé parce qu'avant il y avait quelqu'un de marrant et après il y avait quelqu'un de super marrant. Ouais, mais c'est le public aussi, il est pourri. Mais c'est trop facile de dire ça, frère. Je sais très bien, l'excuse du public, c'est facile. Arrête. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je travaille sur mon humour. Voilà, exactement, tu travailles. Mais plus jamais ça. Écoute, tous les artistes, ils ont pris des bides. Coluche, il a pris des bides. Je travaille, c'est tout. Pas dans mes soirées, frère. Bon, au lieu de me juger, comment on fait pour être payé? L'oseille, comment ça se fait? Quelle oseille, frère? Ben, à un moment, il y a un cachet qui est prévu, non? Ouais, pour les artistes prévus. Ah, genre, j'étais pas prévu, mais... Non, t'étais pas prévu, tu sais très bien que t'étais pas prévu. Attends, mais il y avait quelqu'un qui était prévu. Oui. Moi, je l'ai remplacé. Ouais. Ouais, donc ça veut dire que tu vas garder l'enveloppe pour toi. T'es un voleur, en fait. Non, tu veux que je le dise à tous les humoristes? Je vais dire que t'es un voleur, j'ai une réputation. Tiens, tu vois ça? Ok, c'est bon? Ah, t'es rigolo, là. Hein? Espèce de voleur, là. Oublie-moi. Ouais, t'inquiète, ça, j'oublierai pas ça. Les chaises là-bas, les chariots, on met ça là-bas. Excusez-moi, oui. Je devais jouer là en fait. Vous deviez jouer, mais ouais. C'est fini là, regardez, on a tout rangé. C'est fini la soirée, tout le monde est parti. Ouais, c'est bon, j'arrive. C'est encore les témoins de Jéhovah, ça. Monsieur. Venu nous rendre visite? Ouais, bah comme tous les mois. Ouais. Non mais là c'est... entrez. Vous savez pourquoi je suis là quand même, j'espère? Ah bah je me doute, hein. Ouais, c'est bien le jeu que vous avez acheté la machine à laver. Hein? Rien, le frigo aussi. Vous savez on est le combien aujourd'hui? Ben, si je dis pas de bêtises, on est le 6. Ouais, il y a le 5, il se passe quoi en général? Je paye le loyer. Eh ouais. Est-ce que vous avez payé le loyer? Non. On va le payer, hein. C'est un jour, c'est pas un retard, un jour. Un jour, c'est pas un retard? Si je te donne le rendez-vous jeudi, que je viens vendredi, c'est un retard ou pas? Ouais, là, ouais, vu comme ça, ouais, c'est un retard. Eh oui, c'est un retard. Et qu'est-ce qu'on a dit sur le retard? Ben, c'était 10% tous les deux jours. Donc aujourd'hui, moi, je viens chercher 480 balles. Là, déjà, j'avais 100 euros, mais c'était pour faire les courses. Ben voilà, ça, déjà, on va considérer que c'est la taxe. Non, ça compte pas, ça. Ça, c'est le retard, ça. Ça, c'est les célèbres 10 euros. Bon, il y a 20 euros en plus, c'est pas grave. Donc là, on les a vus, mais ils n'existent pas. C'est pas légal, ça, ceci. Ouais. Et ne pas payer un loyer, c'est légal, peut-être. Tu travailles dans quoi pour pouvoir payer le loyer? Bah là, je suis en train d'écrire, parce que moi je suis un artiste là, et je travaille là sur un scénario. Ok, donc, et travail c'est quoi? C'est la merde que tu me colles sur ce mur, c'est ça? C'est ça que t'as l'intention de vendre? Et ça c'est bien ça. T'as pas un autre métier? T'as pas un truc que tu sais faire plus concret? Quand tu en avais eu besoin de l'appartement, je te l'ai donné ou pas? Ouais, bah oui. Ok, je t'ai fait chier pour l'avoir l'appartement? Non. Y'a pas de bail, ok? S'il y a pas de bail, y'a pas de loyer. Officiellement, ok? Mais c'est officiellement. Officieusement, il y a un loyer. Et ce loyer, c'est 400 balles. 480 balles tous les deux jours. Toi et l'espèce de fou qu'il y a derrière là-bas. Non, non, on dirait mon père qui me gueule dessus. Mais... Non, mais... Si j'étais ton père, ça fait longtemps que je t'aurais allumé ta race. Si j'étais ton père, ça fait longtemps que je t'aurais claqué ta face. Tu payes un loyer. C'est ce que mes parents m'ont appris d'abord. Tu payes le loyer d'abord et tu manges après. Ça, c'est... Là, j'y travaille, là, je... Samba, tu les as eu comment, ceux-là? Ah, ben ça, c'est... C'est parce que... J'ai eu comme ça. Eh ben, il va falloir que tu... Hein, 4 fois, et tu dis à ton pote le fou, là. C'est difficile d'être propriétaire, je te dis de suite. Encore plus que d'être locataire. Toi, tu dois juste payer un loyer, moi, je dois le récupérer. Et regarde comme c'est difficile. Ah, mais, vous inquiétez pas, on va payer le loyer, je vais tout régler, il n'y a pas de problème. Alors, je t'explique. Si je t'ai trouvé un colocataire, c'est pourquoi? Ça fait mal, hein. C'est pour partager le loyer, on est d'accord? T'as que la moitié d'un loyer à partager. Et la paire de baskets, je pars avec, on est d'accord? Ok. 42, si t'avais fait du 41, ça aurait été mort. 43 peut-être, mais 42, c'est pile poil. Ça, c'est vraiment le destin. Donc, t'as pas payé, mais il y a quelque part quelque chose qui te veut du bien. Ta paire de baskets, aujourd'hui, elle t'a sauvé la vie. Elle va t'accorder un délai de 2 jours supplémentaires. Dans 2 jours, je reviens si le loyer n'est pas payé. Eh ben, je m'occupe de toi, ok, d'accord? Ok. Allez, c'est bien.
Voilà. Et tu me rappelles l'espèce de fou qu'il y a là-bas, okay, ok. Tu récupères son loyer. Moi, je parle pas avec lui. Il est dangereux, celui-là. Je l'ai trouvé pour que tu partages ton loyer. Tu te démerdes. Ok. Allez. Ah, j'ai des droits aussi, hein. J'ai porté plainte, là. J'ai été pieds nus, maintenant. C'est quoi ce propriétaire de merde, là? Jamel! Oh putain, ça chlingue dans cette chambre, là. Tu peux ranger quand même un petit peu, là. Eh, le propriétaire, c'est un fou, hein. Il est venu comme ça, il m'a menacé, frère. Ah ouais? Ouais, je jure. Il est venu, il m'a menacé, il me demande de faire des travaux, des trucs comme ça, payer le loyer. Il est parti avec mes baskets. Ah, c'est... Parce qu'il est propriétaire, je crois, chez lui, c'est ça? Ouais. Écoute, la prochaine fois, faut plus l'ouvrir. On n'ouvre plus la porte, t'as compris? T'as pris tes médicaments? Ouais, je les ai pris, ouais. Ouais, bah prends-en encore, hein. Écoute. Ouais. Attends, mon chéri. Et je sens que t'es énervé, mon chéri. T'es mon frérot. Ossine, ce soir, ça va être un spectacle. Wahid, à la mairie de Saint-Denis. Et c'est magnifique, mon chéri. Toi et moi, on va rigoler. Oh, et on va rigoler ensemble, mon chéri, c'est magnifique. Ça, c'est à la mairie, ça. Bah ouais, ça va. Non. C'est quoi? Tiens, ton téléphone. On va nulle part. Il faut trouver de l'oseille. À cause de toi, maintenant, on doit payer 600 euros chacun, maintenant. Mm-hmm. Et faire les travaux, je sais pas quoi, là. Ah bah ouais, bah c'est le propriétaire. 600 euros, mon pote. Et il faut les payer, hein. Quoi, c'est moi que tu parles, là? C'est moi que tu parles, 100 là? Eh, le mec, c'est moi qui parle. C'est moi que tu parles, là, 100 euros, là? Va te faire foutre, mec. Va chier. Et toi aussi, va chier. On joue dans combien de temps? 20 minutes. Salut. Salut. C'est ici les lâches. C'est cool. C'est des cacas aussi. Ça va? Ouais. Tu fais des cacas? Comment? Tu fais des cacas? Ouais, je veux bien, merci. Ouais. Tu vas bien? Ouais, très bien, et toi? Ouais, c'est bien. Alors, je sais pas si on t'a expliqué. T'es qui?